Bonjour à tous, c'est MaxiCamFR et on se retrouve aujourd'hui pour le 109e épisode de la carrière suivie sur Farming Simulator 2013. J'espère que vous allez bien, en tout cas moi ça va. Et aujourd'hui on se retrouve comme prévu, enfin je crois pas que je l'avais annoncé au début du dernier épisode. Mais donc pour un déchômage un petit peu particulier puisqu'on va tester de nouveaux déchômeurs. Donc avec un petit stagger 350, enfin petit... grosse tailleur plutôt, qui me faisait envie comme je vous l'avais dit la dernière fois, et avec le Magnum 370 CVT, donc avec un, c'est plutôt un vibroculteur qu'un déchômeur en 9 mètres, et là-bas c'est un déchômeur qui fait aussi plutôt vibroculteur entre cultivateur et vibro de 8 mètres. Donc bah, on va commencer sans plus tarder. Pour une fois on a un tracteur qui est plus gros au niveau taille mais plus petit au niveau puissance que l'autre. Celui-là est pas jumelé et l'autre est jumelé. Donc bah écoutez, on va commencer tout de suite. Hop. Donc je l'avais déjà déplié avant pour faire une petite photo. Hop. Et donc bah c'est parti. Voilà. Un tracteur qui me faisait envie avec un déchaîneur qui marche plutôt bien, une vitesse qui m'a l'air raisonnable. Moi, elle m'a l'air raisonnable. À 27 à l'heure, ça m'a l'air d'être déjà une bonne vitesse. En vrai, quand on va à 10 km/h, c'est déjà bien. Je vous le dis tout de suite. Il n'y a que dans Farming qu'on peut rouler à 27 à l'heure. En vrai, on roule à 10 à l'heure, c'est bon. Largement. Enfin, ça dépend des régions aussi. Des régions où vous pouvez rouler jusqu'à 17, 18 sans problème, mais il y en a d'autres où c'est 7, 8 maxi. C'est pareil pour la moisson, vous allez à 7-8 km/h, dans Farming vous roulez à 15 et puis c'est bon. Donc je commence par déchaumer les bouts de champ, d'habitude je fais un peu le contraire, mais là je commence par ça. Faudra que j'aille vider la racheuse aussi peut-être. Sauf que là je vous ai pas très bien fait les coups de champ. Voilà, donc c'est vraiment histoire d'en tester deux. Hop. Voilà, comme je vous ai dit, en ce moment j'ai pas le temps du tout d'avancer en off. Donc eh ben décidément aujourd'hui, je suis pas doué. On va y arriver, vous inquiétez pas. Alors, j'avais des petits commentaires qui m'ont été demandés. Alors, je suis désolé, c'est vraiment en retard, mais comme je vous l'ai dit, les épisodes sont tournés en avance, donc je peux pas répondre à vos questions à l'épisode d'après. Parce que j'en tourne 3 voire 4 en même temps, donc je réponds parfois 5 épisodes après. Je suis désolé, c'est que j'ai pas eu le temps de les lire avant. Donc c'est une question qui m'a été posée. Alors attendez, ça remonte un petit bout de temps, samedi dernier, oui c'est ça, une question qui m'a été posée samedi dernier, et la question est, quel est ton mode pour faire les semences? Alors je pense que tu parlais des patates, tu te reconnaîtras, je pense que si tu suis, tu m'as dit que tu ne suivais pas depuis très longtemps, il me semble que c'est toi, et tu m'as dit... quel est ton mode pour faire les semences de patates? Donc c'est un mode que j'ai trouvé sur le site ls-uk. Donc si tu veux chercher, c'est sur ce site là. Comme je tourne les épisodes en avance, si je mets pas le lien et que t'as pas trouvé le mode, tu me le rappelleras s'il te plaît. Si tu peux me rappeler le nom du mode. Parce que... enfin, si tu peux me rappeler de mettre le lien du mode, pardon. Hop, je vais aller vider la racheuse à patates. C'est que je pensais à autre chose en même temps. C'est pour ça que j'ai dit n'importe quoi. Hop. Donc voilà, après, j'ai eu des remerciements pour les vidéos. Donc c'est plutôt moi qui vous remercie de me suivre.
On m'a dit que je m'améliorais. Alors il me semble que c'est Thomas, tu te reconnaîtras, qui m'a dit que les vidéos étaient super et que c'était même de mieux en mieux. Bon, je vais arriver à vider peut-être un jour. C'est qu'avec les remorques ça fait long et du coup pour arriver en face c'est pas facile. Voilà, on va y arriver. Donc tu m'as dit que je m'améliorais, que c'était de mieux en mieux, bah merci à toi franchement. Si tu trouves que je m'améliore, tant mieux. Moi aussi, je trouve que je m'améliore un petit peu par rapport au début. Bon déjà j'ai du matériel plus performant qu'au début, j'ai changé de micro, j'ai un meilleur ordinateur. J'ai vraiment changé de matériel et je pense que ça se voit. J'ai changé de logiciel aussi depuis le début. Enfin voilà. Donc en fait c'est plutôt à moi de vous remercier de me suivre aussi souvent et aussi assidûment. Franchement c'est vraiment sympa à vous de me suivre souvent. Alors, deuxième question qui m'embête un petit peu d'ailleurs. C'est pas une question que vous m'avez posée, c'est une question que moi je me pose et j'aimerais bien d'ailleurs que vous m'y répondiez. C'est une question qui à la fois m'embête et à la fois m'embête pas. Et je sais, vous allez dire, oh, ça va être encore une embrouille, on va rien comprendre. Bon, je suis d'accord avec vous parce que moi aussi je m'embrouille dans mes propres questions. Donc je voulais savoir si je faisais que une vidéo tous les 3 jours au lieu de tous les 2 jours. Est-ce que vous préférez? Est-ce que ou est-ce que vous voulez que je garde tous les 2 jours? Franchement, moi ça me dérange pas de garder pour tous les 2 jours, mais c'est pour que vous ayez le temps de vraiment tout regarder et de pas en louper. Est-ce que vous préférez donc que je reste sur une vidéo tous les 2 jours? Moi ça me dérange pas, tous les 2 jours, pardon. Ça me dérange vraiment pas. Au contraire, ça me fait plaisir, mais si vous préférez tous les 3 jours, il n'y a pas de problème. Ça me dérange pas non plus. Donc dites-moi ce qui vous arrange. Et alors déjà tous les jours, c'est pas possible. Mais si vous préférez un par semaine et que je fasse autre chose, d'autres jeux, ou que je fasse 2 épisodes par semaine et puis que je fasse des présentations de moi de le reste qui durent que 5 minutes hein, mais que je fasse des présentations de moi de le reste du temps ou des trucs comme ça, n'hésitez pas, faites vos propositions. Je pense que je ferai un épisode spécial hors carrière suivie où je parlerai de vos propositions s'il y en a assez. J'aimerais savoir votre avis pour changer un petit peu. Si est-ce que je garde comme ça un épisode tous les 2 jours? Est-ce que je passe sur un épisode tous les 3 jours et c'est tout? Ou est-ce que je passe sur 1 ou 2 épisodes par semaine et je fais en plus 1 ou 2 présentations de mode qui dureront 3-4 minutes? Voilà. Donc j'aimerais bien franchement que vous me répondiez à cette question. Franchement, ça m'arrangerait. Parce que je veux vraiment connaître votre avis sur cette question. Et donc savoir ce que je fais. C'est vraiment pour faire le mieux pour vous. Moi, les 3 propositions vont. Soit je fais un épisode tous les 2 jours, soit je fais un tous les 3 jours, soit je fais 2 par semaine, plus des présentations. C'est comme vous voulez, moi. Les 3 me vont, c'est pour ça que je vous les propose d'ailleurs. Parce que moi ça me dérange pas de changer, hein, franchement. Ça me dérange pas du tout. Je veux bien changer, au contraire, innover, c'est un truc que j'aime bien faire. Donc pourquoi pas changer? Mais dites-moi ce que vous préférez, ou si vous voulez que je reste comme ça, je peux aussi, hein, ça me dérange pas. Au contraire. Mais voilà, j'aimerais franchement avoir votre avis là-dessus maintenant que vous êtes un certain nombre à me suivre tous les jours, plus d'une centaine maintenant. À me suivre tous les jours, à regarder toutes mes vidéos. Vous êtes en moyenne une centaine.
Donc je vous laisse une semaine, voire deux. Non, je vais vous laisser une semaine pour me dire ce que vous voulez. Donc dans une semaine, je ferai une vidéo spéciale quasi en direct, à une heure près. Pour donc savoir ce que je fais. Je lirai toutes les propositions et donc je dirai celle qui a été, celle que j'ai retenue. Si vous avez d'autres idées de propositions aussi, n'hésitez pas. Mais donc je vous dirai celle qui a été le plus choisie. Bon, alors, je vous reparlerai du sujet à la fin de la vidéo, dans la dernière minute, pour pas que vous oubliez. Mais donc, on va continuer de déchaumer. Avec donc le magnum. Alors on passe en 4 roues motrices, donc on appuie sur la touche U, tac, et on baisse le déchaumeur et c'est parti. Voilà, donc je l'ai jumelé pour que il y ait moins de tassement. Le principe du jumelage, pour ceux qui s'y connaissent pas trop, sinon les autres j'ai rien à vous apprendre, mais pour ceux qui s'y connaissent pas, le jumelage ça sert à ce que ce soit moins tassé. Et donc que le poids soit mieux réparti sur la surface du sol. Et ça sert aussi à avoir une... Alors ça je parle en plaine. Par contre en zone montagneuse, ça sert par exemple à mieux monter. Parce qu'il y a une plus grande surface d'adhérence au sol. Et ça permet de mieux monter sur des grandes pentes ou quoi. Ça permet de monter plus facilement les pentes. Moi je suis dans une zone de plaine, donc c'est plutôt pour qu'il y ait moins de tassement. Avant j'avais un jumelage sur un tracteur, mais maintenant j'en ai plus. J'en avais avant, mais c'est que maintenant si je remets le jumelage sur le magnum, il passe plus sur la route. Parce que déjà que sans le jumelage, il fait 3 mètres de large. Donc parce que c'est un avec des pneumatiques larges. Donc si en plus je mets le jumelage, il passe plus sur la route. Sans être en convoi bien sûr. Enfin il fait 2,99 m exactement pour pas être en convoi exceptionnel sur la route. Donc si je mets le jumelage, après il fait 4,50 m de large. Donc sur la route c'est franchement pas pratique. Surtout que moi j'ai pas mal de routes entre mes champs en vrai. Dans farming il n'y a pas de problème, il n'y a que des chemins partout. Donc c'est pas compliqué. Mais en vrai c'est un petit peu plus compliqué quand même. Voilà, donc ça c'est un déchaumeur, enfin un vibroculteur, pardon, je vais arriver à parler, qui est sorti il y a un petit peu plus longtemps. C'est sorti dans les débuts de farming. Personnellement j'en ai un en vrai que je mets sur le magnum, qui fait 8,50 m de large, je crois, ou 9 m, je sais plus, enfin c'est dans ces eaux-là, que je mets à l'arrière pour préparer le maïs. Et devant je mets une herse même taille, 9 m ou 8,50 m, je sais plus, sur le relevage avant du magnum. Donc autant vous dire qu'il faut plutôt un assez gros tracteur pour tirer ça. Donc je suis bien équipé aussi niveau magnum. Et franchement je vais pas m'en plaindre, les magnums en conduite, c'est franchement c'est un bonheur à conduire ça. Franchement les magnums à conduire c'est... On a l'impression que c'est agressif comme ça. Mais non, pas du tout, franchement, à conduire, c'est très facile à conduire. Franchement, c'est vraiment très facile à conduire. Franchement, j'adore conduire les magnums. Les Steiger encore plus, bien sûr. J'en ai conduit qu'un. Mais c'est déjà bien. Il y en a qui en ont conduit zéro et qui aimeraient bien en conduire. Moi j'ai déjà la chance d'en avoir conduit un, donc c'est déjà ça. Je vais pas me plaindre. Après les Pumas c'est pas mal aussi. Bon, je vais pas vous faire la liste de tout ce que j'ai conduit, parce que je crois qu'il y en a pour un moment. Donc je vais pas vous faire la liste de tout, mais voilà. Puis, comme vous savez, ben, j'aime bien les cases, donc... Bien sûr, je peux pas m'en passer. Que ce soit dans farming ou en vrai, je peux pas m'en passer. Donc
Moi j'ai un magnum aussi, mais un petit peu plus petit quand même. C'est la même série, mais il est plus petit. Celui-là c'est un 370, moi c'est un 235. C'est un petit peu plus petit. Alors c'est exactement la même forme de capot et tout ça, hein. C'est un petit peu plus petit. Hop. Il déchaîne pas très bien sur les bords par rapport aux autres celui-là. Donc voilà, comme vous avez pu l'entendre il y a quelques secondes, on a fini la vidéo. Donc n'oubliez pas de répondre à la question que je vous ai posée donc le plus rapidement possible. Je vous laisse vraiment une semaine grand maximum. Franchement, répondez parce que c'est. Enfin c'est surtout pour vous que je fais ça. Donc franchement ça m'arrangerait que vous répondiez à la question. Enfin je remarque qu'en ce moment il y a pas mal de commentaires et pas mal de j'aime. Donc c'est que vous me suivez assez rapidement. Donc je vous rappelle les propositions pour que vous n'ayez pas à retourner en arrière. Alors soit je reste sur une vidéo tous les deux jours, soit je fais une vidéo tous les trois jours, soit je fais deux vidéos de carrière suivies par semaine, plus une ou deux présentations de mode. Ou si vous avez d'autres idées de ce que je peux faire. Donc n'hésitez pas à proposer ce que vous voulez, il n'y a pas de problème. Donc voilà. Alors, on va finir là-dessus, sur ce déchômage. Prochain épisode, j'ai une petite idée de ce qu'on fera. Mettez un j'aime, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Franchement, les j'aime et les commentaires, ça me fait plaisir. Ça montre que vous aimez bien ce que je fais et que vous suivez. Donc franchement ça me fait vraiment plaisir quand il y en a un, c'est pas grand chose, ça vous prend une seconde. Écrire un commentaire ça vous prend 30 secondes, donc merci à vous de me suivre aussi souvent. N'hésitez pas à vous abonner si c'est pas encore fait, et n'hésitez pas à parler de la chaîne autour de vous si ça vous plaît. Et je vous dis donc à dans deux jours, allez, salut les amis.